Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la suite, la partie 5 de Sonic Heroes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie finale? Car nous avons fini le mode histoire de la Team Sonic. Et bien qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie finale? Évidemment, il y a une surprise inattendue que je n'ai bien sûr pas spoilée à la fin de la partie 4. Voilà. Ce personnage, mais qu'est-ce que c'est? Nous allons le voir. Nous l'avons déjà vu dans quelques cutscenes. Et je vous laisse la cinématique. Then who was it? Who locked you up here for trying to conquer the world? It was... Crytek a travaillé pour ce projet. Maximum game. Finally transformed! So that's Metal Sonic? It's useless! Metal Sonic has combined your data with the power of chaos and is super strong! We can't defeat it! Ugh. If only we had the 7 Chaos Emeralds! What's this? But how? Even with the Emerald's power, our chances for victory are slim. It would take a miracle. Just leave that to me, Doc. Sonic, no! I'm going with you, too! Tails, you can count me in, too. Knuckles? Okay, guys. We'll buy you some time. That way you can use your superpowers. Okay, then. Let's get ready to do this. Ugh.
we'll show that creep the real superpower of teamwork. Le super travail d'équipe. Attention, ça rigole pas. Sonic va commencer les clashs, il a fini avec les trolls. Donc voilà, Metal Madness. Voilà, alors je vous préviens que... Ah oui, je crois qu'il faut l'attaquer avec Amy là. Ok, ça lui fait rien du tout. Ah ouais, il faut l'attaquer avec Big. Big, le truc qui ressemble à un ours-chat. Si moche. Qui a créé cette chose? Mais le truc, c'est que cette chose fait le café, vous voyez? Ouais, on va le défoncer. Le boss n'est pas bien difficile dans cette première phase. Même si, bon, c'est aussi un boss pas bien difficile tout court. Faut le dire. Mais niveau gameplay, il est sympa. Sympa, très sympa à combattre. Il est pas du tout raté. Après, bon, ça fait à peu près... la dernière fois que j'ai combattu ce boss, c'était peut-être il y a 6 ans, un truc comme ça. Je risque de faire n'importe quoi. Là. Après, faut un peu, voilà, changer. Souvent, ça marche avec la brute du groupe. Mais voilà, au bout d'un moment, ça change de couleur. Donc, faut prendre tête Charmy, non. Donc, voilà, comment ça s'appelle déjà lui? Scorpion, je crois. Truc du genre. Ok, alors on va faire l'attaque ultime. Quel magnifique le concert. Et oui, en fait, il fallait un peu suivre l'histoire de l'équipe Vector. Hein. Merde. Ok, ça commence bien. L'équipe Chaotix. Pour comprendre un peu pourquoi ils étaient de face à face avec Eggman au début. Et bon, voilà. Hein. J'ai la flemme de le faire. Merci. De faire en let's play, surtout que je pense que vous aussi vous ne voulez pas que je fasse ça en let's play car ce mode histoire est ignoble. Je crois que c'est des missions assez nazes, hein. Trouver 15 ennemis crabes dans le niveau, c'est super intéressant. C'est devenu de l'exploration quoi. Donc là la technique toute conne, hein, c'est de rester en haut, essayer d'avoir le ballon mais j'arrive pas à l'avoir. Ah, parce que ça peut nous piéger et on peut crever direct. Hein. Ça peut piéger les trois direct, boum, et c'est mort. On va dire que c'est l'attaque stressante du boss. Ah, il est devenu jaune. À toi de jouer, Charmy, ou quelqu'un. Vector. Et merde. Vector ou Nectar ou... Je sais plus du tout leur nom, ces trois-là. Si, Charmy, mais les autres. Peut-être Scorpion ou Scorpio. Alors, moi je retiens que les noms de base. Hein. Ah, eux, ils sont apparus que dans. Dans Chaotix, je sais plus quoi, là, un jeu sur Mega Drive. Un jeu de plateforme. Je sais plus le nom exact. Je crois que ça a commencé par Chaotix. Bah évidemment, l'équipe Chaotix. Ils foutent le chaos. Ils foutent le Darwa là avec leur concert. Ah oui, il faut faire l'andouille aussi. Il faut faire plusieurs fois balancer nos potes pour gagner un peu en jauge d'énergie. En jauge team blast. Défoncer le boss. Alors on fait ça sans tomber évidemment. Ouh là là, j'ai fait n'importe quoi là, j'ai failli tomber. Ouais, cette attaque elle est pas ça va, ça passe. Bon, celle-là par contre elle est ignoble. Enfin, et on va remplir la jauge. Voilà, grosso modo ça se joue comme ça contre la première version du boss. Sachant qu'il faut l'avoir 3 fois. Peut-être 4, je sais plus si on est avec Sonic aussi. Non, je pense pas. Je pense que c'est 3 fois et puis après l'équipe Sonic se charge de la fin.
de la dernière phase du boss. Ça a rien fait. Ah si. Il lui reste quand même que 4. 3. 2. Oui. Et ils sont tous tombés. Ah non, même pas. Mais des fois ils tombent. Mais on perd pas, donc ça va. Ah, l'équipe, la meilleure équipe qu'on a eue au début, voilà, là. Enfin, la meilleure équipe qu'on a eue dans cette vidéo, pour l'instant. Évidemment. Et Omega, je sais pas de quel Sonic il vient. Parce que c'était pas Omega qu'on avait dans Sonic Adventure 1. C'était E102, je sais plus quoi, là, E128, je sais plus quoi. Un autre robot. Il ressemble un peu. Omega en fait il vient de Sonic Heroes en fait je pense. Rouge qui est là depuis fort longtemps. Depuis Sonic Adventure 2. Et Shadow depuis Sonic Adventure 2 aussi. Au moins ceux-là je les connais, c'est bien. Mais attends, je pense que ceux qui connaissent un minimum les Sonic, hein, ne peuvent que les connaître. Même si perso je suis pas trop fan de la chauve-souris. Hein. J'aime bien les Nosferatu dans Pokémon, mais voilà. Et j'aime bien Batman, par contre, voilà, je n'aime pas ce personnage, pas trop rouge, personnage plutôt provocant dans un Sonic, c'est assez chelou. Ah, vu que c'est bleu, je pense que c'est... En fait, ça ne correspond pas trop aux couleurs, en fait, je viens de me rendre compte. Ça ne correspond pas tellement aux couleurs. Ah, voilà. Comme là. Donc j'ai pas du tout évolué. J'ai pas du tout fait évoluer Omega niveau. niveau. Oh mon dieu! Et maintenant faut faire l'andouille. Sachant que leur attaque Team Blast est complètement chiquée. Shadow fait mal parce qu'il est niveau 3. Il n'y a pas de problème. Dans cette phase-là, c'est très facile de gagner en niveau. Juste péter les caisses sur le côté. Ouais, franchement. Team Blast. Et je pense qu'on n'en parle plus. Bon, voilà. 8 minutes 10. Mon dieu, mais on met du temps. Et voilà, victoire. Il n'y a même pas de note, hein. On s'en fout. Oui, c'est Rock'n'Roll! Maître Sega! Ah, ça faisait longtemps, Sonic! Que l'on ne s'est pas vu! Ah, ça traduit pas exactement mot pour mot ce qu'il dit en anglais, mais c'est pas grave. Et donc, quel est le but de ce combat? Bon, on avait déjà défoncé la gueule de cette chose
Voilà, et surtout remplir la jauge Team Blast pour pouvoir lui en mettre plein la vue. Voilà, la jauge Team Blast est bientôt remplie. Il reste plus qu'à faire ça, voilà, et là, on le défonce. Sachant que faut faire gaffe à notre compteur d'anneaux. Car nous sommes à 28 anneaux. Mais on en perd de plus en plus des anneaux. Car Sonic ne peut pas rester toujours sous cette forme. Et je cherche du coup des anneaux, mais en vain, je n'arrive pas à en trouver. Je suis dans la merde. Ah, et en plus, ça utilise des anneaux ce truc. Je savais même pas. C'est ignoble. Et quand on se fait toucher, on perd pas d'anneaux par contre. On perd juste un peu de temps. Enfin, de temps. Enfin, voilà, vous voyez, il titube quoi. Là, bon bah je vais plus faire le back the way. J'esquive juste. Ça utilise trop d'énergie. Ok, c'est fail par fail. Voilà, faut remplir un peu ça. Faire un peu d'attaque comme ça là, pour pouvoir lui en mettre plein la vue là. Team Blast. Je crois qu'une dernière attaque et puis après c'est fini. Voilà, donc cette dernière phase est plutôt sympa, donc c'est bon, c'est pas. Bon, on va dire quand même que c'est l'une des meilleures phases en Super Sonic. En comptant tous les autres jeux, un des meilleurs boss final. Je trouve que l'idée est assez originale. Il y a quelques attaques, vous voyez, il y a trois attaques différentes. C'est énorme. Et shit. Ah, mais cette attaque-là, elle est ignoble. Elle est ignoble. Putain, je joue comme un handicapé là. C'est très rare de perdre contre la forme finale du boss. Car elle est pas très difficile. Hein. J'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai un peu trop exagéré, mais back the way. Voilà, on va en faire un deuxième. Et là, c'est parti. Tails, tu peux le faire. C'est rouge, la chauve-souris sexy qui te parle. Fichtre. Ah oui, bah voilà, il l'avait pas fait tout à l'heure cette attaque. C'est vrai qu'il a une quatrième attaque, il a celle-là. Qui sert un peu à rien. Oh ça, bourrinage. Du coup, on l'a touché une fois là, c'est tout. Cette attaque là c'est la meilleure parce que ça remplit pas mal la jauge. Voilà, on est plutôt bien parti. Mais franchement j'aurais pu le battre du premier coup franchement. J'ai fait vraiment n'importe quoi, c'est juste cette attaque là, elle est ignoble. Elle est dégueulasse. Ouais, tu parles, on gagne que dalle en truc et je perds tellement d'anneaux. Pour pas grand chose. Il y a ça maintenant. Vite, des anneaux. Oh mon dieu, cette voix elle est ignoble. Ne parle plus, s'il te plaît. Voilà, la super attaque. Ce qui peut... Bah, grâce à ça, on délivre Tails et Knuckles. C'est bien. Si jamais ils sont pris au piège. Bah après on peut prendre Knuckles aussi hein. Sauf que avec Knuckles on n'est pas assez rapide et on se prend les attaques en pleine poire. Ah, la musique est complètement énorme aussi. Mais je ne l'ai pas mis dans mon top 20. Il
Et il sera par contre dans le top 30. Et oui, j'avais prévu de faire une suite. Bon, même si ce serait dans un bon moment, hein, j'ai un peu la flemme de m'y reprendre au montage. Déjà qu'il y a le top 10 Sonic, les Sonic 2D, Time Sonic 2D remixé, qui est en chantier. Ah, ok. Voilà, faut marteler les boutons pour que le temps passe plus vite. Vous voulez me piéger, petit fourbe. Oh non, pas ça, mon dieu, non. Alors, faut faire plein de homing attack et comme ça on est tranquille. Et surtout pour l'instant, je pense que je vais laisser de côté les montages, hein, top 10, tout ça. Parce que voilà, faire plus de vidéos, moins travailler. D'ailleurs, j'ai en projet une vidéo sur Castle of Illusion sur Mega Drive. Le faire, la vidéo défi. Finir le jeu en difficile, tout simplement. Sachant que j'ai pas du tout touché, pas. J'ai fait que le tout début en difficile. J'ai vu au moins ce que ça donnait, un avant-goût de cette difficulté. Oh purée, il me reste que 5 anneaux, j'ai pas fait gaffe. Bah il est mort là. Voilà. Pourquoi j'avais tout pour moi? Je suis la forme suprême. Je suis Metal Sonic, je suis le vrai Sonic. Je suis celle parfait. Too bad it's all over for you. Bah, c'est fini pour toi. 12 minutes 40, c'est magnifique. Un magnifique E, parce que j'ai fait de la merde. It's no use. But why can't I defeat you? Because we're Sonic Heroes. Sonic! Anytime you want a rematch, just let me know. I'll be waiting. Hey, Sonic, wait up! Sorry to leave like this, but I can't let my Sonic get away. Good luck, Eggman! Sonic sure has his hands full. Big regarde plus cheese qu'autre chose. She never gives up, does she? Oh, no, you don't. Wait! Guess that's it for this case. Guess so. But what about our money? Man, I almost forgot! That slime ball! All right! Our next adventure awaits us, so there's no time to waste. Yeah! We're Sonic Heroes! Et voilà la fin de Sonic Heroes. Enfin non, il reste le mode point d'interrogation, on se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Et bah je le débloquerai un jour, quand j'aurai envie. Ça pourrait être dans une semaine, comme ça pourrait être dans 3 ans. Voilà. Bah évidemment, en fond, le meilleur thème du jeu. Évidemment. Sonic Heroes. Ah là, ça nous montre les cinématiques. Bah, je vais vous laisser hein, ce crédit. On va discuter un peu, vite fait, dire nos impressions sur Sonic Heroes. Si c'est un bon Sonic. Bah oui, en effet, c'est un bon Sonic. Hein. Bon, il y a des fois des petits bugs, hein, vous l'avez vu sans doute quand j'ai fait le let's play. Des petits bugs des fois avec les loopings, tu tombes, tu sais pas trop pourquoi. Ah, donc oui, c'est vrai que des fois il est pas très bien codé,
niveau level design. Mais ça reste quand même un bon Sonic, la sensation de vitesse est là. Et cette idée de choisir entre trois personnages différents à chaque... cette idée d'être en équipe tout simplement, d'avoir trois persos différents, le style vitesse, le style combat baston, le style vol, ça rend le level design beaucoup plus complexe et beaucoup plus varié qu'un Sonic Adventure de base. Même si j'ai toujours une préférence pour Sonic Adventure 2, évidemment. Et Adventure premier du nom aussi. Enfin, pour les niveaux de Sonic, c'est tout. Et puis ceux de Knuckles, un peu, oui, le niveau de recherche était plutôt sympa. Mais voilà, les niveaux de test étaient copier-coller des niveaux de Sonic. Les niveaux d'Amy, c'est moyen. Et les niveaux de Pig, vaut mieux pas en parler, c'est de la merde. Les niveaux. Voilà, obtient tous les A. Voilà, c'est ce qui a marqué à la fin. La fameuse image à la fin. Ce thème est vraiment magnifique. C'est vraiment le thème du jeu, quoi. Ils ont choisi le meilleur thème en thème principal. Je sais plus s'il y a un truc... Ah non, il y a que dalle. Il n'y a plus de cinématiques, c'était la fin. Donc voilà, peut-être qu'on va passer des cinématiques, j'en sais rien. En 25 minutes, ça va être bientôt la fin. Ah mince. Je voulais pas cliquer sur guide, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah au moins, là, ça explique comment jouer. Alors, avec Sonic, c'est rapide. Avec Knuckles, on tape. Avec Tails, on vole. Et on balance, on ballarde nos potes. Voilà, c'était le mode tutoriel. Expliqué vite fait, en 13 secondes. Et 41 millisecondes. Très exactement. Vous voyez qu'il y a un mode de joueur aussi qui est plutôt satisfaisant, même si bon, sans plus, c'est bien mieux Sonic Adventure 2 là-dessus. Mais voilà, grosso modo, Sonic Heroes, c'est quand même ça, un bon Sonic. Et par la suite, il y a eu Shadow the Hedgehog, là par contre, c'est un Sonic moyen. Bon, sans plus, mais ça va. C'est pas encore tombé, c'est pas encore Sonic 2006, quoi. Voilà, c'est pas encore de ce niveau-là. Ou de Sonic Boom, voilà. Des jeux très très moyens, voire médiocres, quoi. Donc voilà, j'ai plus rien, plus grand chose à dire. Peut-être bientôt un défi sur Castle of Illusion, sur la version Mega Drive. La version Master System, je l'ai fini. Le boss final est à chier. J'en ai eu marre. J'ai fait quelques save states au boss final, là, le dragon, là, il m'a fait chier, le dragon. Voilà. Je me suis un peu spoilé, je crois que sur Mega Drive, je pense pas que ce soit un dragon, le boss final. Même si après, après le dragon, il y a aussi un autre boss, mais bon, c'est vite fait, l'autre boss d'après. La sorcière Isabel, là. Voilà, alors on est dans Sonic et on parle de Mickey maintenant. Il y a de tout dans nos vidéos. Donc voilà, peut-être prochainement un petite vidéo de défi. D'ailleurs, il y a une vidéo de défi qui est déjà faite depuis un bon moment sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Que je mettrai, je pense, ouais, juste après ce... Juste après ce let's play. Donc voilà, sinon, est-ce qu'il y a let's play en vue? Eh bien, non, je ne pense pas. J'ai des idées pour les prochains let's play, mais... Je pense que...
pour l'instant c'est la pause au let's play. Au pire, voilà, il va y avoir la continuité du petit let's play de Zelda. Voilà, The Legend of Zelda Skyward Sword. Que je mettrai peut-être un jour vite fait en ligne. Deux parties, voilà, il y a deux parties déjà de faites. Puis je pense que je continuerai. Sinon, une histoire de Zelda encore. La suite. Et en fait, j'hésite entre continuer par la suite sur Twilight Princess ou directement de faire le nouveau Zelda. Mais bon, le nouveau Zelda, je vais pas l'acheter Day One machin. Enfin, quoique, si. Si, je vais l'acheter le Day One. Mais c'est la NX que j'achèterai bien plus tard. Oui, donc je pense plutôt que je vais me faire Twilight Princess avant en let's play. Enfin, vous savez, que les donjons, bien évidemment. Ou peut-être quelques bonus par-ci par-là, mais ce serait vite fait, parce que le jeu... Je pense qu'il serait quand même assez ennuyeux à regarder, je pense. Zelda... Enfin, juste à regarder quand on cherche, quand on gambade dans les prés, dans la plaine d'Hyrule et tout. Je me dis, en let's play, ça le fait pas trop. Moi, je préfère mettre que les donjons, quoi, vraiment. Le gros du jeu. Voilà. Ah, et j'ai pensé aussi à Wind Waker. HD, peut-être. C'est pour ceux qui n'ont pas vu mes let's play sur Wind Waker normal. Sur GameCube. Vu que maintenant, je l'ai, Wind Waker HD sur Wii U. J'ai bien avancé. Le jeu est fort joli, mais il y a quelquefois des ralentissements qu'il n'y avait pas sur GameCube, c'est assez étonnant. Mais bon, ça vous le verrez, quand je ferai un let's play là-dessus. Et voilà, c'est tout, voilà. Niveau let's play, en fait, ça va être que du Zelda. ça va être ça. Et l'histoire des let's play des Mario et Luigi, ça sera bien plus tard. Ce sera des vidéos plus travaillées. Je pense que je ferai pas mal de coupures dans les Mario et Luigi. Ça sera surtout une aventure plus comique. Voilà, j'essaierai, si vous connaissez par exemple Paper Mario, la porte MDR, je vous mettrai peut-être le lien dans la description, je sais pas. Et ben, en fait, je vais me baser un peu là-dessus. De chez Voxmaker, le nom de la chaîne YouTube. Que je vous conseille vivement. qui est une chaîne très sympa. Il y a pas mal de vidéos sympas dessus. Voilà, c'était la petite pub. Sur ce... Ah oui, aussi. J'allais oublier, pour Twilight Princess, ça ne sera pas n'importe quelle version qui sera en let's play. Ah, le truc qui se casse la gueule. La manette qui se casse la gueule. Il n'y aura pas que du... ce sera pas sur Wii, la version que j'ai, de Twilight Princess. Mais ce sera une version remake HD Project fait par des fans. Sur PC. Voilà. Et qui est fait à partir de l'ISO GameCube que j'ai téléchargé. Illégalement, mais je m'en fous parce que j'ai la version Wii. Donc voilà. Je peux me défendre là-dessus. Donc voilà, sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos défis, il y en aura pas mal, enfin quelques-unes. Et je suis pas mal à fond sur les vidéos tests et rétro-tests aussi, donc voilà. Let's play, ça attendra. Donc sur ce... À la revoyure.